Bon matin la gang! Donc aujourd'hui on est mercredi et là je me suis fait un coffee et des toasts avec beurre de peanut et fromage. Puis genre honnêtement, depuis que j'ai commencé comme mon 21 day fix, là, le programme d'entraînement, genre c'est la première fois que je mange des toasts en 2 semaines et demie pour déjeuner. J'ai vraiment coupé le pain puis les pâtes parce que c'est quelque chose que je mangeais vraiment beaucoup. Depuis 2 semaines et demie, je mange du cruau avec fruits à chaque matin. Puis là, le matin, j'ai comme eu une rage de genre manger des toasts au bois de peanut. Je m'apprêtais à faire montage de mon vlog d'hier. De lundi, que je vais publier ce soir. Fait que je vais terminer ça, puis je vous reviens, puis je vais manger mes toasts avant que ce soit froid. Il y a une araignée. J'en watch. Elle était comme drette là, genre, sur le plafond. Elle a marché tout ça. Puis elle est rendue là-bas. Merde, je la vois plus. Merde, je suis pas bien. Ah, elle est là. Là, là. Hello, hello! Donc, il est rendu midi et quart et là, j'étais en direction pour aller au Starbucks avec Lisa. Je m'en vais la rejoindre là-bas et il mouille en ce moment. Pas nice, mais il fait quand même 15 degrés, fait qu'on chialera pas. Mais c'est ça. Il mouille, puis là, c'est vert. Puis là, la madame, elle me regarde à côté. On peut-tu parler du gaz? 1,43! Genre, what the fuck? Je peux juste pas comprendre, j'ai mis 20$ et ça me remplit le corps de matin. C'est quoi, Joe? Salut, salut! Okay. Hey. Je suis avec Lisa et on est au Starbucks. Et on a pris... Quoi? On a pris... nouveau, là, Kenya. Ice Kenya. C'est une sorte de café africain. Je vois ça. Oui, c'est du Kenya. C'est ça. Fait que là, Liz Bookhour, son dernier travail de la session. Son dernier travail de la session. Puis moi, j'ai des trucs à faire, mais ça me semble qu'on est proche en fait. Fait que c'est ça. Ça faisait pas plus longtemps qu'on s'était connus, genre 2 semaines et demie. Et voilà au Starbucks. Again. Ben, je vais te laisser work et good luck. Last one. Yes! Yay! C'est pas ça. Yes. Bon, donc là, il mouille à Sio, c'est le cambodge. Puis j'ai quitté l'île, dans le fond. Là, j'arrive chez nous dans pas très long. Et puis, c'est con là parce que genre. Moi pis Liz, on s'est quitté parce qu'on était au Starbucks. Puis elle s'en allait s'entraîner à comme 6h30, puis là il est 5h genre. Fait qu'elle était comme, je vais aller manger à mon gym, je vais aller au gym. Je dis ok, ben si tu veux faire quoi après tu me diras. Puis moi j'ai dit, ah, je vais aller manger chez nous. Mais le plan au début, on voulait manger ensemble au resto, mais finalement on a fait oh, fuck up. Fait que là genre, j'arrive chez nous dans pas long. Puis là je suis comme, je la pêche, ça te tente-tu d'aller au Carrefour Laval après, comme après souper pis tout? Fait comme, ah, j'aurai pas le temps parce que je m'entraîne à 7h30 pis tu sais, ça ferme à 9h. Fait comme, nanana. Fait que je suis comme en merde. Fait que là, on essaie de genre trouver un plan pour finalement que genre, j'arrive chez nous, je me grouille à manger puis on retourne au Carrefour Laval. Mais comme quand on était littéralement quasiment à côté tantôt, on était ensemble. On aurait juste pu genre manger ensemble puis aller au Carrefour Laval. On aurait sauvé full temps puis qu'après ça, elle aurait été s'entraîner. Mais comme là, il est 5h. Comme, faut que je me grouille à manger pour retourner genre à Laval. En tout cas, c'est juste con notre affaire, mais bon. On veut vraiment y aller, fait que c'est ça. Fait que là, faut que je me grouille, go, go, go. Fait que c'est ça. Bon, donc, me voilà de retour dans mon auto. Puis là, il mouille plus que jamais. Oh my god. Et puis, honnêtement, j'ai jamais mangé aussi vite de toute ma vie. Là. Genre, je pense que comme... En fait, j'ai même pas le temps d'écouter une vidéo YouTube que j'avais fini de manger. Faut pas trouver quelque chose. En fait, je vais magasiner un outfit pour la fête à jus qui est vendredi. Hello, hello! Donc,
Le magasinage n'a pas été fructueux pantoute. On n'a rien trouvé. Puis comme... Non, on est resté genre une heure. On n'a rien trouvé, fait que... poche. Mais c'est parce que, comme Lisa disait, c'est comme la saison entre deux, genre comme... que le linge d'été est sorti, les shirts pis tout, mais comme... même si on en achète, on peut pas y mettre tout de suite, fait que c'est poche. Ok. On n'a rien trouvé, mais bon, c'est pas grave. Puis là, je m'apprêtais à aller faire mon workout dans mon kit Stronger que j'aime full. Je vais essayer de vous filmer, mais il fait un peu noir en haut, là. En tout cas, je vais essayer de vous filmer une petite séquence. De finir une demi-heure de jambes, j'ai mal en maudit. Ouf! J'ai terminé mon workout. Sérieusement, là, ça fait tellement du bien. Là. Fait que là, je m'en vais au Jean Coutu parce que là, ma peau est vraiment bad, là, genre, je pense que je vais aller me faire bientôt un soin du visage, fait que je vais aller à Jean-Coutu pour voir si je pourrais pas me trouver un masque désincrustant, fait que je vais aller voir ça. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à la pharmacie. J'ai acheté le Uriage, le SOS Pod... soins local, soins de nuit, zéro défaut. En tout cas, comme ça ici, pour les boutons, que tu mets ça genre le soir avant de te coucher. Je sais pas, j'ai jamais essayé, je sais pas si ça marche bien. Puis, s'il y avait un cadeau avec l'achat de ça, c'était le gel nettoyant, nettoie et purifie de Uriage aussi. Puis j'avais plus de nettoyant pour le visage, fait que ça a bien tombé. J'ai jamais essayé non plus. J'ai jamais rien essayé de la marque Uriage, là. Et il y avait des masques de Vichy, il y avait comme les peaux là, tu peux acheter à comme 34$, mais ça me tentait pas de dépenser genre 40$ pour un masque, quand que je savais pas trop si genre, il allait marcher ou pas. Fait qu'il y avait des enveloppes de même, sachets pour comme 7$, de deux masques, je crois bien. Ben même, ouais, il y a deux enveloppes là. Puis moi j'ai pris le masque Peel Double Éclat. Donc, c'est à l'eau thermale minéralisante de Vichy, sans parabènes ou whatever, blablabla. C'est pas ça que je voulais lire. Fait que, en tout cas, c'est aux pierres volcaniques et AHA. Fait que je vais aller me faire mon petit soin. Et ensuite, je vais faire le ménage de ma chambre. Là, il est comme 11h. Ah, il est juste 11h. Fait que je me suis pris un petit café, un petit, là, quand même. Puis, je vais m'attaquer au ménage de ma chambre parce que... je suis plus capable, c'est mon problème, je pourrais tenir ma chambre propre jamais, jamais, jamais. Fait que je suis vraiment belle avec mon truc pour les boutons, c'est le truc Uriage que je viens d'acheter. Fait que en tout cas, je vous dirai si ça marche demain matin, je vais dormir avec toute la nuit. Fait que je voulais terminer le vlog ici, j'ai genre comme pas mal cleané là, à part comme ça, faut que j'enlève là. Là, j'ai placé comme mes affaires. Fait que, en tout cas, j'ai pas mal cliné. Puis là, j'en ai assez fait pour là. Parce que là, il est minuit 40. Mais je suis genre fuck all fatiguée. Fait que je sais pas que je vais faire. J'ai goût de faire des bracelets. Bracelets de bricot chou. Mais ouais. Fait que je vais terminer le vlog ici. Et je vais vous dire à demain. Ciao! Qui est la gang, je suis vraiment pas crédible avec ça en face là, mais avant d'aller me coucher, je voulais me tirer au tarot. Donc j'ai un truc de tarot aussi, genre comme le livre qui explique les cartes pis tout, genre. Le disclaimer, huge disclaimer, je ne suis pas une tireuse de cartes, mais pas en tout, là, pas pour deux cents. C'est juste ça, genre ma voisine, elle nous a prêté ça, elle avait ça, pis... comme de temps en temps, moi et maman, on se tire aux cartes pour savoir un peu, genre,
où ce que ça va s'aligner, genre, puis blablabla, bla, genre, tu sais, apprendre ou à laisser, là, mais genre, tu fais juste tirer 5 cartes, je pense. Puis après ça, genre, tu lis, genre, dans le livre, qu'est-ce que chaque carte veut dire, genre. Fait que j'avais goût de faire ça avant de me coucher. Pour vrai, j'ai... Je suis ici, OK? J'ai aucune connaissance en tirage de cartes, là. Genre, je fais juste suivre les instructions. Fait que soit tu peux faire le tirage quotidien ou genre... La croix celtique est genre beaucoup trop complexe, là. Fait que moi, je vais juste faire le quotidien que c'est genre 5 cartes que tu piges. Fait que comme chaque carte a ici un numéro, puis là, ça dit c'est à rapport à quoi, mettons, le travail, le foyer, l'imprévu, votre rôle, l'aboutissement. Fait que je vais piger mes 5 cartes puis les placer comme ça. Fait que là, je prends mon petit lit. Et la carte numéro 1, ça veut dire le travail, puis c'est celle-là ici. Puis j'ai pigé 6 de deniers. Allons voir ce que ça dit. Le 6 de deniers montre que vous avez fait de bons gains matériels et que vous êtes même en position de les partager. Des associations d'affaires devraient être rentables ou peut-être obtenez-vous une augmentation de salaire. Après avoir accompli le travail, il est important d'en apprécier les avantages obtenus. Cela ne se redit pas seulement en termes d'argent, mais également en temps partagé avec les autres. Inévitablement, quand nous travaillons fort, ce sont les êtres chers qui en paient le prix, quand nous ne passons pas suffisamment de temps avec eux. Maintenant que le résultat commence à se manifester, montrez-leur que vous les aimez, car le temps est une ressource précieuse impossible à se remplacer. Si on vous doit de l'argent, cette carte annonce qu'on va maintenant vous le rendre. Le 6 de denier symbolise la générosité et la bonté, ce qui signifie également des cadeaux en vue. Ouh, des cadeaux en vue! Mais genre... Pour des opportunités de travail et d'affaires, oui, ça c'est vrai. Je suis contente. OK, 2, c'est le foyer. Fait que 2, c'est 10 de bâton. Vous vous sentez peut-être lasse et surchargé de responsabilités ou alors débordé et extrêmement stressé. Il existe pourtant des façons plus faciles de gérer la charge si vous consentez à prendre un peu de recul et à regarder au-delà, mais pour cela, il faut de la détermination. Cette carte pourrait également représenter un avertissement. Ce qui, au départ, était une idée ou un projet magnifique, vous semble désormais un fardeau. Cela peut vouloir dire que vous travaillez trop et que vous devez rééquilibrer votre vie. Faites attention de ne pas en prendre plus que vous ne le pouvez en ce moment, car vous risquez de le regretter. Bon, OK. Ensuite, l'imprévu. Le valet de denier. Enfant studieux ou doué qui aime étudier et apprendre, une jeune personne sérieuse, méthodique dans son approche, bûcheuse, sage, polie, disciplinée, qui aime et respecte les animaux et la nature. Un individu sérieux, pas du genre à passer son temps à s'amuser, il est habituellement habile de ses mains ainsi que dans toutes les choses pratiques. Événement. Vous devriez recevoir de bonnes nouvelles qui apporteront des changements appréciables dans votre vie sur le plan financier ou académique. Intéressant, parce que là, j'ai pas d'emploi. Et je vais pas à l'école, fait que à suivre. Si vous avez demandé pourquoi j'ai pas de job et je suis pas à l'école, allez voir mon dernier vlog pour comprendre. Numéro 4, 2 de bâton. Ayant progressé grâce à l'énergie aux idées fournies par l'As, le 2 de bâton indique que les premières étapes ont permis de lancer un projet. Bien que l'As soit une merveilleuse carte en théorie, elle ne prend pas son sens que si son énergie ne se manifeste dans la réalité. Comme pour toute entreprise nouvelle, vous devez vous concentrer... Comme pour toute entreprise nouvelle, qui est moi, vous devez vous concentrer sur votre projet et mettre les efforts nécessaires pour réussir. La présence de cette carte signale que le potentiel existe. Yay! L'énergie du 2 peut également annoncer une association, la collaboration d'autres personnes, de même que des négociations pourraient être importantes pour mener votre projet à bien et il vaudra la peine de les considérer. Le 2 de bâton est une carte positive qui annonce que vous allez dans le sens de vos objectifs et vos ambitions. Ouais! Et numéro 5, l'aboutissement, 2 de denier. Le 2 de denier représente les efforts à fournir pour réussir à conserver un équilibre dans la vie. Il peut s'agir d'essayer de mener plusieurs projets de front, d'équilibrer vie familiale et vie professionnelle, ou même de bien gérer les finances. Il faut de l'attention pour garder l'équilibre afin que tout avance bien et se déroule dans l'harmonie. Les signes sont de bon augure pour y réussir. Donc voilà, c'était mon petit tirage de tarot de ce soir. En tout cas, c'est pas tout faux, là. Genre, ce qu'il disait, ben, je pouvais relate à ce qui se passait dans ma vie, là. Fait que, en tout cas, je répète, je suis vraiment pas... Je le connais zéro rien au tarot, là. Fait qu'en tout cas, c'était juste mon interprétation de
de ça. Donc, sur ce, je vous dis bonne nuit pour de vrai. Parce que là, il est rendu 1h du matin. Fait que faut que je me couche. Demain, je vais me lever tôt. Puis Dieu sait que quand je me couche pas tout de suite parce que j'écoute Netflix. Voilà. Bye!